Ouais, là, si. T'es en... On se retrouve aujourd'hui pour une... Oh nouvelle vidéo. Alors, je vous explique, on va faire un chit-chat get willy with me. Je vais me préparer parce qu'on a un anniversaire. Donc, on va être toute pimpante, toute belle, on va pas ressembler à ça. C'est-à-dire que ça, c'est pas possible. Je vais poser une perruque qui vient de Ocilly Hair. On va la poser, on va bien la mettre. Je vais vous faire un petit outfit, bien bien, genre en mode... un petit truc où on passe partout. On va au resto, en même temps, on est belle, c'est parfait. C'est un look parfait pour un date, un look parfait pour aller manger, un look parfait pour aller partout. Donc, je vais vous faire ça. J'ai une petite idée de coiffure. On va papoter ensemble. Je vais vous raconter ma petite vie. On va discuter, quoi. Donc, c'est un échange. Donc, je vous invite à échanger avec moi en commentaire. Et puis, c'est parti. On y va. Bon, les filles, comme dit dans la vidéo, j'ai l'impression de ne pas être droite. Là, les go. C'est bon, là, je suis droite. Bon, comme dit dans la vidéo, les filles, je vais mettre des cheveux de chez Ocilly Hair. Donc... J'ai eu custom la wig. De toute façon, je vous ai tout montré en vrai. C'est des bouclés, ça fait longtemps que j'ai pas mis des bouclés. Je suis pas très fan hein, des boucles, par contre, c'est des kinky. Je mets jamais ça, j'ai jamais mis. Mais bon, c'est la première fois. On va essayer d'être fraîche parce qu'on va à anniversaire. Je vais essayer de faire un look qui passe partout, genre date, anniversaire, pour l'ego de la bringue comme moi, boîte, tout. Tu vois, on va essayer de faire un style qui passe partout. Donc là, c'est parti. On la pose sur la tête. J'ai pris tous mes ustensiles. Genre, tu vois là j'ai un anniversaire et tout, je peux pas aller comme ça. T'as capté le délire. Je peux pas aller comme ça. Ce que j'ai envie de faire, dites-moi dans les commentaires si c'est un bon choix. Déjà, on va refaire l'arrêt correctement. Je trouve que je me suis trop améliorée. Genre, regardez mes premiers tutos et genre, maintenant, je trouve que je colle bien maintenant et tout. Genre, je suis fière de moi. L'autre jour, ma pote, elle me dit, mais tu sais que t'es minutieuse et tout. Manuelle, elle me dit. Et moi, je trouve pas que je sois manuelle. Genre, pour moi, je suis genre pas manuelle, je suis moi. Genre, je fais quoi? J'aime bien faire, mais je me trouve pas forcément manuelle. Je trouve qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus manuels que moi. Et ce que j'ai envie de faire comme coupe, de toute façon, vous allez voir. Moi, ce que je voulais faire, c'est genre prendre une mèche. Genre, en fait, je sais même pas comment vous expliquer, les filles, je vous jure. Et là, je fais la coupe, les filles, vous avez juste à regarder. Hein, parce que je peux pas expliquer et faire en même temps. Je pense que sur ça, là, on se sait déjà. Moi, je parle du genre des meufs à pouvoir parler et faire des tutos. Je peux pas faire des trucs en même temps. Alors, on va faire la coupe. C'est parti, à tout de suite. Coiffée, j'ai plaqué les petites mèches devant pour pas que ça me dérange. Il faut que je change de pince après parce que celle-ci elle est beaucoup trop grosse. Mais en gros, la coupe que je voulais faire, c'est un peu le délire, tu vois. Parce que les boucles, je les trouve grave serrées. Je sais que si je fais la meuf, je détache tout, ça va truquer. Donc là, on va faire un make-up bien soigné, bien joli, bien beau. On va commencer avec les sourcils. Déjà, je vous explique, j'ai fait un micro-shading.
crois que c'est ça que ça se dit en shading. Je vais vous mettre la fille qui me l'a fait. Je suis trop fan, mais là je peux plus maquiller mes sourcils du coup parce que je suis en phase de cicatrisation. Voilà, et je suis trop contente parce que là j'ai plus jamais maquillé mes sourcils. C'est un gagne-temps de ouf. Là, ce qu'il me reste à faire, je vais juste mettre de l'anti-cerne pour nettoyer un petit peu, même si j'ai pas forcément besoin. Mais on va le faire quand même. Et on va papoter, on va se raconter notre vie et tout et tout et tout. Moi je suis fan et je suis une adepte des produits Huda Beauty, genre fond de teint anti-cerne et ma, comment ça s'appelle, mon baking Huda Beauty, et je trouve que ça me fait le meilleur teint que j'ai jamais eu de ma vie. Et là j'utilise l'anti-cerne teinte praline pour les filles qui ont le même niveau de teinte que moi. Trop longtemps que j'ai pas fait de petits tutos make-up sur ma chaîne, parce qu'en fait je trouve que j'ai l'impression qu'en fait avec TikTok, YouTube il est un peu mort. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre dites-moi en commentaire si vous pensez comme moi, mais j'ai l'impression que en fait on a toutes et tous été habitués au format court à cause ou grâce, je sais pas, à TikTok. Bah en gros maintenant les vidéos, bah en tout cas pour ma part, je trouve que je suis beaucoup plus impatiente. Genre j'arrive plus à regarder des longues vidéos et tout, genre j'y arrive plus du tout, et j'ai l'impression que tout le monde est dans ce même mood. Et c'est pour ça que, enfin, c'est pour ça que je voulais plus trop partager, genre en gros, des vidéos make-up, parce que, oh, je me suis dit, vas-y, ça va les saouler, et tout, et je me suis dit, en vrai, fais-les sur TikTok, mais au final, je trouve que ma communauté TikTok et YouTube, c'est pas la même. Moi, j'aime trop ma communauté YouTube. J'aime aussi toutes les autres communautés, que ce soit Insta, Snap et tout, mais YouTube, je trouve qu'on a un lien particulier. Je reconnais vos noms quand vous commentez sur mes fautes, mes vidéos et tout, genre, je sais pas, j'aime trop, je me dis que, tu vois, genre, je sais pas, j'aime trop. C'est pour ça, mais bon, après, là, je me suis dit, ça fait trop longtemps, je peux raconter ma vie, j'ai pas fait des FAQ et tout. Donc bah du coup voilà quoi. Donc je reviens vers vous quoi. Mais sinon ouais, concernant YouTube, je trouve que c'est devenu fade. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus comme avant et tout. Mais ça veut pas dire que je vais partir de YouTube, jamais. Je serai là jusqu'à que le site ferme, genre jusqu'à qu'il n'y ait plus. Mais j'aime trop, genre j'aime trop YouTube, j'aime trop monter, j'aime trop faire les vidéos, j'aime trop parler avec vous. Et que quand on se voit dans la rue, vous êtes en mode, vous, genre je sais que vous suivez mes vidéos parce que vous êtes en mode ouais, faites ça sur ma main, genre on est en mode on est là quoi. Donc du coup c'est pour ça que je vais jamais quitter YouTube, moi j'aime trop. En fait déjà je vais vous expliquer pourquoi j'ai disparu déjà. J'ai disparu parce que j'avais plus d'idées. Et en fait j'aime pas faire des vidéos et que je me dis en fait ça plaît pas à ma communauté, genre, parce que faire des vidéos, allumer ma caméra et tourner, en vrai ça je peux le faire, tu vois, mais j'ai pas envie de vous proposer un truc que vous aimez pas et tout, je suis en mode non ça va pas leur plaire, vas-y je fais pas. Et du coup ça veut dire que bah forcément en pensant comme ça, bah je suis en mode bah au final je tourne rien, tu vois. Et bah du coup bah c'est un peu ce qui s'est passé pendant plusieurs mois. Et un jour je me suis dit en vrai je peux pas rester comme ça, je peux pas faire que des vlogs et tout. Et aussi il y avait un truc que je voulais pas, c'était être une influenceuse spéciale vlog, genre moi non, j'aime le lifestyle, j'aime toucher à tout et tout. Et on tout le temps me demandait ouais vlog, vlog, vlog. Et à un moment donné je proposais que ça, je voyageais, vlog. En fait c'est trop facile. Et du coup je me suis dit mais en fait tu peux pas rester comme ça, faut que tu trouves des idées de vidéos, faut que tu refasses un peu comme avant, faut que tu refasses des vidéos avec ta famille, tes amis. C'est ce que les gens ils aiment en gros. En fait les gens ils aiment, ils te suivent pour toi et ce que tu fais et ce que tu proposes. Donc tu vas pas, voilà quoi. Et donc du coup bah, du coup c'est ce que j'ai commencé à faire. J'étais dans mon lit comme ça, je cherchais des idées. Et je me suis dit en vrai, des fois on veut beaucoup trop faire alors que on peut faire, des fois on peut juste faire simple. Et c'est ce que vous aimez en vrai. On m'a connu parce que je suis moi, je suis simple. Et donc bah pourquoi pas. Après c'est vrai qu'il faut évoluer aussi hein. Ça fait quand même 3 ou 4 ans que je suis sur YouTube. Donc un peu plus hein. Donc voilà quoi. Pour ce qui est de mon absence, je me suis bien remotivée et j'essaie de vous mettre une vidéo une fois par semaine, soit le lundi, soit le mercredi, soit le dimanche, parce qu'en fait j'aime trop mettre les vidéos le dimanche, c'est trop bien. Mais le problème c'est que les marques ne travaillent pas le dimanche, donc elles peuvent pas approuver la vidéo, étant donné que moi je suis un peu pas organisée genre de toute ma vie. Bah du coup ça veut dire que des fois je le sors le mercredi. Cette vidéo je pense qu'elle verra le jour un mercredi par exemple, vous voyez, étant donné que je promouvois ces cheveux là et que pour que la marque puisse valider, il faut qu'elle puisse voir. Et si elle travaille pas, bah elle ne voit pas. Là on va passer au fond de teint les filles. J'utilise le Huda Beauty comme je vous ai dit, pareil en teinte toffee. Vous savez qu'aujourd'hui ça fait 2 mois, je suis trop contente, ça fait 2 mois que, comment dire, que j'ai fait ma chirurgie. Franchement je suis
Et franchement, comme je dis dans l'autre vidéo, hein, les filles, la chirurgie, c'est pas un truc à prendre à la légère. C'est pas... j'ai envie de baisser un peu la lumière parce que je me trouve ultra claire. Comme ça, on est mieux. Hein. Ouais. C'est pas quelque chose à prendre à la légère, les filles, la chirurgie, genre pour de vrai. Genre, ça fait 2 mois, je suis encore en convalescence, entre guillemets. Il y a certaines choses que je peux pas totalement faire. Je peux pas me... être baissée trop longtemps. Mon dos il me fait très très mal quand je suis allongée très très longtemps. En fait j'ai toujours des nouveaux symptômes, si on peut dire ça comme ça. Mais je pense que c'est le fait que mon corps, bah, il est en train de se réparer et tout. Enfin de se réparer, de revenir en mode normal, tu vois. Donc forcément il y a des choses, bah, que je vois que je connaissais pas avant. Quand je dors trop longtemps, enfin quand je suis trop allongée et que je me lève, j'ai comme si on me balançait un liquide hyper brûlant dans le corps, genre. Et je sais pas si dû à quoi, je sais pas ce que c'est. Mais voilà, c'est des choses que, bah, j'avais pas forcément avant et tout. Je sais pas, ça va rester combien de temps. Et en fait, genre, la chirurgie, le fait de peut-être... Je me suis lancée un peu dans... Je regrette pas du tout, les filles, je suis trop contente. On va y venir après, j'aime bien commencer par le mauvais et finir par le bon. Mais en gros, bah, le fait de... C'est pas quelque chose de commun, entre guillemets. Et du coup, bah, tu sais pas à qui parler. Tu sais pas vers qui tourner pour savoir si... Est-ce que toi aussi t'as eu ça? Est-ce que toi aussi t'as eu ça? Quand tu vas sur internet, bah, c'est comme un peu partout. Tu te retrouves sur des trucs assez chelous. Ouais, si t'as ça, c'est que t'as telle maladie, va consulter. Donc en vrai, je vais jamais sur le net. Mais voilà, en gros, pour vous dire. Mais en tout cas, les filles, genre, je suis trop contente du résultat. Genre, c'est pas définitif, forcément. Mais je vois tous les jours que mon corps, il change... Que le ventre il s'aplatit de jour en jour et tout, je suis en mode waouh, mon futur corps il sera comme ça, comme ça, comme ça. J'ai pas lâché les massages, j'y vais encore tout le temps. J'essaie d'y aller toute la semaine, au moins 4 fois par semaine. Le seul truc que je fais pas et qui est pas bien, c'est bah, l'eau. Il faut que je bois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, les filles. Mais c'est trop dur pour moi de boire beaucoup d'eau, genre je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Pourtant, il y a plein de gens, ils sont là, ils y arrivent et tout. Je vais essayer d'acheter une gourde, peut-être que ça va m'aider, mais j'arrive pas à avoir énormément d'eau. Et du résultat, les œdèmes prennent beaucoup plus de temps à partir. Mais genre, des fois, je vais me motiver, je vais boire 1 litre d'eau la journée, genre un jour, et le lendemain, bah, je retourne dans mes travers. Donc, même si c'est pas bien, en fait, c'est pas le problème, c'est même pas l'eau. J'aime bien l'eau. C'est juste me dire qu'il faut que je aille boire. Je le fais pas. Moi, je vais boire quand je finis de manger. Si j'ai trop parlé, par exemple, après cette vidéo, je sais que je vais aller boire parce que j'ai trop parlé et tout. Mais genre de moi-même, me dire qu'il faut que j'aille boire, je vais pas le faire, quoi. Il faut que c'est mon corps qui me le réclame, alors qu'apparemment, bah, il faut pas que je fasse ça, tu vois. Mais du coup, voilà. Mais en tout cas, je suis trop contente. J'arrive à m'habiller. Je suis à l'aise quand je suis là, quand je mets le truc. Genre, je sens plus le gros bourrelet et tout. Eh, hey, je suis trop, trop, trop contente. Et puis, je vois tous vos messages des filles. Sachez que j'essaye d'y répondre au maximum à tout le monde. Parce qu'il y a des mamans qui me disent qu'elles veulent le contact de mon chirurgien, etc. Et j'essaye de répondre à tout le monde. Et je fais du mieux que je peux. Je reçois des messages presque tous les jours. Genre, c'est même pas presque en fait. C'est vraiment tous les jours. Mais quand je vous dis, je suis trop contente et j'ai trop hâte de vraiment vous montrer le résultat final. Genre, parce que en vrai, même là, si je vous montre le résultat et tout, vous pouvez aller voir sur Instagram, vous allez voir un peu, il y a des nouvelles photos que j'ai faites et tout, où j'ai pas mis de gaine et tout. Mais en fait, le problème, c'est même pas ça. Hein. Le problème, c'est que le résultat, c'est pas encore celui-là. Donc, même là, si je vous le mets, vous serez en mode, ça, on voit. Enfin, c'est pas le résultat. Moi, je vais vraiment vous montrer le résultat final. Et là, je m'en fous. Je vais bien vous montrer le avant, après. Mais ça fait tellement du bien de s'habiller sans se poser de questions. Sans dire, est-ce que ça va m'aller, ça? Est-ce que ça va mon corps et tout? Genre, tu t'habilles, t'es à l'aise. Ah non, c'est trop bien. Non. Meilleur choix de ma vie, hein. Franchement. Même si je le redis encore, hein, la chirurgie, c'est pas un truc à prendre à la légère. Hein. Genre, vraiment, c'est pas un truc à faire. Comme ça, en claquant des doigts, tu te dis, allez, hop, j'y vais et tout. Les filles, c'est vraiment... Il faut que ce soit réfléchi, il faut que vous ayez vraiment un complexe. Et ça, j'insisterai toujours autant, genre, vraiment. Parce que des fois, il y a des filles, elles viennent me voir... C'est ça que c'est des caprices. Genre, j'ai eu des filles, parce que pour celles qui ont regardé ma vidéo sur la chirurgie, pour celles qui l'ont pas encore vue, bah, les filles, je vous laisse aller la regarder. Et il y a des filles qui viennent me voir en mode, ouais, qu'est-ce qu'il y a, regarde...
moi mon corps, j'ai envie de faire de la chirurgie, ça ça part pas. Alors que les filles elles ont même pas de bourrelet, elles ont rien. C'est pas méchant, mais je vais pas vous donner, même si vous êtes majeure et vaccinée, j'irai jamais vous donner parce que je sais même que c'est pas nécessaire. Tu vas à la salle, tu cours 2 jours, ça y est, tu les as plus tes bourrelets, tu vois ce que je veux dire? Moi je parle vraiment, genre si à la limite t'es maman, t'as un tablier pour celles qui savent pas, c'est la peau, vous savez, la peau qui lâche et tout, ou alors je sais pas moi, t'as une morphologie que t'aimes pas et tout, et qu'avec les sports ça va être compliqué, etc. Sur ça, y'a pas de soucis, mais si c'est un caprice parce que t'as un pli, genre directement, genre vous voulez passer par la chirurgie, mais la vie elle est pas comme ça, les filles, c'est vraiment pas comme ça. Et ça, c'est pour. Y a une fille, elle m'a envoyé un message, je vais essayer de vous mettre la capture si je retrouve ou pas en masquant son nom, mais. Genre elle dit ouais moi j'aimerais avoir le ventre comme les filles d'Instagram, moi je trouve que mon ventre, genre je suis pas comme les filles sur Insta. Mais à quel moment les filles vous vous dites, vous arrivez, pardon, et c'est même pas méchant, en fait comment je parle des fois, en fait je vous parle comme si vous étiez mes petites sœurs. Mais donc le prenez pas mal si des fois mon ton il est un peu oula oula olé, mais c'est vraiment parce que genre je vous parle comme si vous étiez mes petites sœurs, et si je vous parle comme si demain ma petite sœur elle vient, elle se pose et elle me dit ça. Pas d'Alain, mais ma petite soeur Fanta. Et je me dis, mais en fait, à quel moment tu te dis que tu veux ressembler à telle fille d'Instagram? Genre, Instagram n'est pas la réalité. C'est pas parce que telle fille a ce corps-là que tu dois absolument avoir le même corps. Et c'est pas parce que 10 000 filles sur Insta ont ce corps-là que toi aussi tu dois avoir le même corps. C'est-à-dire le ventre rentré avec le cul qui sort. Sachez que c'est un effet de mode. C'est pour la plupart, c'est même pas naturel. C'est hyper dangereux. On parle d'un bébé. Même pour ceux qui vont dire oui, non, c'est pas dangereux et tout, les filles, c'est dangereux. De toute façon, dans tous les cas, pour le moment où je pense, où on t'endort, c'est hyper dangereux. Donc, je vais pas le faire risquer ta santé pour un effet de mode sur les réseaux sociaux parce que ta star préférée ou ton influenceuse préférée a ce corps. Donc, toi aussi, tu veux ce corps-là. Chacun à son corps. Instagram, c'est pas la vraie vie. Sachez que, étant donné que je suis sur les réseaux, je sais comment ça se passe. Sachez que beaucoup de gens retouchent leurs photos, beaucoup de gens retouchent leur corps. D'accord. Moi, la première, je ne joue pas mon corps, mais genre en mode, bah, si j'ai un bouton, je vais l'effacer. Parenthèse, avant de continuer, je vais vous dire là lequel j'utilise. J'utilise le Too Faced en teinte naturelle beige pour sur mon regard. Illuminer mon regard, putain, je perds mes mots. Mais bref, donc j'étais en train de vous dire que, ouais, moi je suis sur les réseaux, ça veut dire que je vois autour de moi, j'entends, je vois, et beaucoup de personnes retouchent leur corps, beaucoup de personnes retouchent plein de trucs, et c'est normal, des fois on veut pas, par exemple, je sais pas, il y a un truc qui va nous déranger, j'ai un bouton là, je n'ai pas vraiment envie qu'on voit, je suis comique et tout, mais les filles, sachez que c'est pas la vraie vie. Vous savez que quand on coupe son téléphone, même la fille qui kiffe le plus, qui retouche à la mort, quand elle coupe son téléphone, c'est elle et elle, ça se trouve, parce que dans le miroir, elle s'aime même pas. Donc tu vas pas oublier quelqu'un qui, ça se trouve, ne s'aime même pas elle-même. Genre, prends le temps pour toi, apprenez-vous à vous aimer, c'est le plus important. Je peux, moi, les complexes, je sais ce que c'est. Oh non, pas lui. Désolée, je suis sur un message, je n'ai pas envie trop souvent de message. Genre, non, pas du tout. Genre, en gros, je sais pas comment vous expliquer, mais. En fait, j'étais en train de dire quoi? Je me souviens plus. Que c'est que à être complexée, tu vois. Je sais exactement ce que c'est. J'ai été complexée par moi, par mon corps. Même si tous les jours, mes amis, ils étaient là, ils me regardaient en mode, mais vas-y, t'es une mytho parce que je fais tout passer sous la rigolade et je suis comme ça, c'est mon caractère. J'ai été complexée, donc je sais ce que c'est. Mais je sais différencier un caprice et un complexe. Voilà. Et il y a beaucoup de filles qui pensent être... Franchement, les filles, prenez un temps pour vous et réfléchissez. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous, est-ce que c'est les gens qui m'ont monté la tête, c'est Instagram et les réseaux et la vie de maintenant qui m'a monté la tête, ou est-ce que c'est vraiment que je ne m'aime vraiment pas? Il faut vraiment que vous sachiez faire la différence entre un caprice et un complexe. Si c'est un complexe, il n'y a pas de souci. Il faut que tu t'arrives à te donner les moyens avant de pouvoir y arriver. Je sais que moi j'ai essayé, concernant mon corps, j'ai essayé la salle de sport, ça marchait pas. Je suis une fille, c'est dans mon mental, je suis impatiente, je suis très impatiente. Si par exemple j'ai pas les résultats très peu de temps après, je vais décourager, et j'ai toujours été comme ça. Et ça, je sais que c'est quelque chose sur lequel je dois travailler sur mon mental, tu vois. Ça je le sais impérativement, et d'ailleurs c'est un de mes goals, genre vraiment être disciplinée. Je crois que c'est ça qu'on dit, genre. Même pour les régimes, je vais faire un temps et tout.
Et si sur le moment même je vois que j'ai pas de résultat, je vais m'arrêter. Voilà. Et c'est pareil, hein, je suis comme ça sur même mon visage. Quoi, par exemple, si je vais essayer un produit pour ma peau et que le produit, genre en gros, je vois qu'il fait pas grand chose sur le moment alors que j'ai là des boutons, je vais l'arrêter. Mais ça, c'est quelque chose que je dois arrêter parce que c'est pas besoin. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous dire pour toutes les filles qui savent pas, qui hésitent entre sauter le pas de la chirurgie ou pas, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir abondamment. Vraiment, genre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut vraiment réfléchir et pas qu'un peu. Et une fois que vous avez réfléchi, posez-vous la question: est-ce que je veux ressembler à toutes ces filles sur Instagram? Est-ce que, genre, j'en abuse pas un peu trop? Ou est-ce que vraiment, genre, je suis vraiment complexée, j'arrive pas à m'habiller, genre, je n'aime pas, etc. Genre, vraiment, il faut se poser toutes ces questions. Et une fois que vous avez les réponses à toutes vos questions, et il faut aussi s'apprendre à s'aimer, c'est très important. Une fois que vous êtes posé toutes ces questions-là, et que vous avez la réponse à votre question, c'est que c'est bon déjà. C'est que c'est bon. Voilà, là les filles, j'ai utilisé le expresso de Fenty Beauty. Et je vais venir avant. L'erreur que je faisais, c'est que j'essuyais et maintenant je tapote. Et je vois, j'ai un peu mis bas lui. Et je le mets beaucoup plus haut, genre vraiment sur l'os là-haut là. Voilà, quand même ça. Trop bien, j'aime trop tapoter comme ça. Je trouve que le résultat, il est beaucoup mieux. Et d'ailleurs, vous savez que moi, moi je suis une team poupette. Je sais pas pourquoi je pense à ça là. Je viens de regarder mon téléphone. Je sais que je suis une team poupette. Genre, je comprends pas la hype négative qu'il y a autour d'elle. Dans le sens où moi, je préfère que des gens de notre génération suivent une fille comme ça. Parce qu'en vrai, elle fait rien de mal, mis à part sa vie de famille, etc. Montrer ses enfants. Plutôt qu'une fille qui... Chacun est libre de faire ce qu'il veut, attention. Mais plutôt qu'une fille qui partage du mime, qui monte ses fesses, qui monte ses seins, qui... Vous voyez ce que je veux dire? Genre, sa vie, elle est pas très... Tu vois, enfin... Qui montre un peu le mauvais exemple. Vous voyez, même si chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais j'estime qu'il y a des enfants sur les réseaux sociaux, donc il y a des choses pour moi que... C'est mon avis, hein. Qu'on doit montrer et d'autres non. Voilà. Et pour moi, sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est pas là où vous devez... Enfin, genre, montrer l'exemple de mime, etc. Enfin... C'est de l'argent beaucoup trop facile, et tout en montrant son corps et tout, moi je suis pas pour, personnellement. Et donc voilà, donc en vrai moi je suis grave, genre moi je trouve que, enfin elle fait vraiment rien de mal, et vous savez que genre toutes les personnes qui lui font du mal autour d'elle, je comprends pas comment on peut jalouser quelqu'un autant, genre vraiment, genre jusqu'à, vous savez que j'ai regardé sa vidéo là, qu'elle a faite la dernière là concernant son enfant, la garde, parce qu'elle elle avait perdu la garde et tout. J'ai ressenti sa peine, son vous voyez quand on dit j'ai mal au cœur, genre vraiment ça je l'ai ressenti. Et j'aimerais trop savoir pourquoi vous, j'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui l'aiment pas, genre le pourquoi du comment, et est-ce que vous avez essayé de regarder et tout, ou juste parce que vous voyez sur Twitter et du coup vous aimez pas. Parce que un jour je me suis connectée sur Twitter et j'ai décidé de taper son hashtag, vous voyez, genre en gros j'ai tapé et je suis tombée sur un trend, je sais pas si on dit tweet, trend, bref, je suis tombée sur une trend d'elle, tu voyais, et genre en gros c'était quelqu'un qui prenait tous ses snaps et en gros qui faisait, en gros qui listait, la personne listait tout sur elle, ce qu'elle faisait avec ses enfants, mais genre c'était, en fait, étant donné que moi je la suis, je me disais mais c'est archi hors contexte. Tandis que si quelqu'un ne la connaît pas et regarde comme, comme il doit regarder, il va dire mais c'est quoi ce bordel, vous voyez ce que je veux dire? Donc et je trouve que c'est un truc de ouf, genre c'est un truc de ouf de faire tout ça sur une seule personne, alors que y a, dans la vie il y a beaucoup plus pire, genre allez, en fait vous menez le mauvais combat, c'est ça que j'aimerais dire. Vous menez vraiment, genre certaines personnes, vous menez vraiment le mauvais combat, genre des fois je me dis si ces personnes là qui sont graves sur ses côtes, aller mener à un autre combat beaucoup plus, tu vois, genre, je sais pas, des choses beaucoup plus importantes dans la vie, on n'en serait pas là, là. Genre, je sais pas, il y a beaucoup trop de trucs beaucoup plus importants, la retraite, le fait que la vie, elle augmente, genre, je sais pas, elle a harcelé Macron, une petite de 22 ans. Bref, donc c'était mon petit coup de gueule. La concernant, en tout cas moi c'est une influenceuse que j'aime bien, je trouve qu'elle fait rien de mal, elle fait rien à elle fait pas de mal aux gens, elle vit tout simplement sa petite vie de famille et
au pire, enfin genre je pars du principe que si vous aimez pas quelqu'un, bah vous la suivez pas quoi. Parce que là dites-vous que, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens, dites-vous qu'il y a des gens qui vous aiment pas, mais qui vous espionnent au quotidien. Et c'est ça qui fait peur sur les réseaux sociaux, hein. Franchement, s'il y a bien un truc que j'ai peur, c'est ça. De me dire que je suis exposée, je plais, tant mieux, je sais que on peut pas plaire à tout le monde, ce serait trop beau. Je sais qu'il y a des gens qui ne m'apprécient pas et tout, mais au moins ils me suivent pas. Et on se voit pas, genre en mode on est en mode de chat. Attendez, je mets un peu ici pour claircir un peu mes sourcils parce qu'ils sont bien noirs. Et genre, tant mieux, tu vois. Genre, je préfère ça que plutôt que de me dire. Ça me fait trop peur de me dire que, tu sais, genre, quelqu'un ne m'aime pas, mais il arrive, il suit ma vie. Genre, mais c'est pas normal. C'est pas normal, les filles. Alors, je prends une houppette achetée sur AliExpress. Et en baking Huda Beauty en tant que blondie, la Cunafa, elle est beaucoup trop jaune pour moi. Je l'avais, mais j'ai préféré arrêter parce que le rendu, j'aimais pas. Hop. Vous savez que là, il est 18h et je dois être prête à 20h. Et je serai prête à 20h. Genre maintenant, j'essaie vraiment d'être plus organisée. Genre vraiment. Genre, j'en ai trop marre d'être en retard, les filles. Je supporte plus ne plus être organisée, de partir de chez moi et laisser ma chambre en bordel et la ranger quand je rentre et tout. C'est un truc que je ne veux plus. C'est-à-dire que maintenant, quitte à me lever archi tôt et prendre mon temps, me maquiller tout doux et tout, je préfère ça. Du coup, je préfère prendre mon temps que être la fille désorganisée. Ça, je... C'est par-dessus mes forces, j'arrive plus, les filles. J'arrive plus. Alors attendez, parce que j'ai deux poudres et je me sens que c'est la même teinte. Ah non, j'ai la Mogani et la Cappuccino pour unifier mon teint. Mais je pense que je vais prendre la... Attendez. Ouais, je vais prendre la... Celle-ci, elle est plus chaude. Et maintenant, j'aime trop les make-up chauds. Genre, vous voyez quand on bronze là, on n'est pas grise en fait. Donc, maintenant, je prends que des sous-tons chauds. Je trouve que ça fait un meilleur rendu quand je me maquille. Et j'ai une question. Est-ce que vous trouvez que genre je me maquille bien, que genre je pose bien mes perruques, que je me prête bien? Je me pose toujours cette question. Genre vous pouvez répondre s'il vous plaît, c'est une vraie question. Là je m'arrête vraiment à mes copines, genre en mode vous êtes trop mes copines. Et mais j'aimerais trop savoir parce que genre pour moi, je me maquille grave, normal entre guillemets. Mais des fois on me dit tout le temps, oh toi pour mon mariage... Tu vas me maquiller, tu vas poser ma wig, mais je suis en mode, mais je fais comme toi. Mais c'est vrai que je trouve qu'avec le temps, des fois, je m'améliore, mais je trouve que je suis pas en mode 10 sur 10, je me donne une note de 7, vous voyez. Peut-être que je suis trop humble, je sais pas. Et donc, j'aimerais avoir votre avis, parce qu'en vrai, j'ai jamais eu de compliment en mode, oh, j'aime trop comment tu te maquilles, ou j'aime trop comment tu truc et tout. J'ai toujours des en mode, t'es belle, tu t'es bien apprêtée, mais pas de... Donc en vrai, je me pose la question, je vous pose la question. J'aimerais bien savoir. Ce serait cool. Là, j'utilise la Fenty. Pareil, je tombe un peu bien chaud. Et c'est la Coco... La 07, Coco quelque chose. Et là, je trouve que mon teint, il est trop beau. Mais je sais pas si on voit la caméra comme je vois au miroir. Après, on va s'habiller ensemble et tout. J'ai déjà une idée. Mais je vous la dis pas. Parce que sinon, vous allez avancer et tout. Et je vais vous regarder toute la vidéo. Ok. Voilà. J'aimerais savoir, vous voulez regarder quoi comme contenu plus? Genre, qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse de plus et tout? Pour vous faire plaisir et tout. Quelque chose que j'aime bien. Genre, qui vous voulez voir plus sur ma chaîne? Je sais que vous aimez grave quand je suis avec les filles. Ambre, Farida et tout. Vous aimez trop quand les youtubeuses elles se mélangent. Et en vrai, ça me dérange absolument pas. C'est juste que généralement, étant donné que c'est vraiment devenu mes amis, bah quand on se voit, on pense pas à filmer quoi. Mais c'est vrai que... Ouais, franchement, c'est vrai que ça me dérange pas. Donc si vous avez des idées qu'on peut faire à plusieurs et tout, comme idée de vidéo, il n'y a aucun problème. Aucun. Là, le teint, les filles, terminé. J'ai fermé mes yeux et ça, vous n'avez pas besoin de voir. Donc je finis les yeux et tout et tout. Et ensuite, je vous reprends. Là, je suis ready. Regardez, j'ai mis des boucles d'oreilles, des petits bracelets. Là, je vais vous montrer. Je vais la mettre. De toute façon, je vais vous montrer. C'est une robe col roulé Zara, comme ça, sans manches, en taille M. Et des bottes à sauce. J'ai déjà mis
Voilà, donc là j'essaye et on s'attrape. Ok, j'ai trop hâte de vous montrer le résultat. Regardez. Je sais pas si on voit. Je vais essayer de truquer en bas. Attendez, je vais vous mettre là. Regardez. J'essaye de vous montrer les filles comment je suis, mais j'arrive pas. Mais en gros, j'ai une robe comme ça. Donc du coup les filles, j'espère qu'il y aura un outfit sur ma page Insta. J'espère que je vais date ça. En tout cas, pour tout ce qui est des cheveux, je vous mets... Samia, tu dis bonjour? Non. Bah c'est trop tard, c'est dans la vidéo. Donc du coup, pour tout ce qui est des cheveux, les filles, je vous mets tout en barre d'infos concernant la wig. Et du coup, voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, qui sont? Go bicycle, tim tim tim, go bicycle. Yo, I go bicycle. Tim tim tim, go bicycle. Yo, I. C'est bon.